Silence dans les rangs. Les pas tous à la fois, je comprends rien. L'un de vous parle-t-il français? Français? Не понимаешь? Французские солдаты, пан, Галдиново. Галдиново, c'est ton village? Да, барин. Французские солдаты к нам. Ради бога, помоги, барин. Si je comprends bien, nos salauds de déserteurs sont en train de piller leur village. Ça m'en a tout l'air. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les 600 qui me restent attendent que tu l'occasion pour foutre le camp. Voilà du renfort, lieutenant. Là-haut. Eh bien, c'est pas la vache. Oui, une minute. Eh bien, que se passe-t-il, lieutenant? Capitaine, le général Montillon m'a chargé d'escorter 700 hommes jusqu'à Vitebsk. Vous voyez mon escorte? C'est peu, en effet. 100 d'entre eux m'ont lâché ce matin en me tirant dessus. À 7 heures, ils sont en train de piller le village de Goldinovo. Ce sont les troupes de Marie-Joseph Napoléon. Tas de salauds, ils vont payer ça. La moitié des hommes pour garder cette racaille. Les autres avec moi. Déployez-vous en tirailleurs. Allons-y. Davai. Davai. Le compte y est, mon capitaine. C'est bon. Y a-t-il des sergents et des caporaux parmi vous? Formez-vous par ordinaire. En avant, marche! Premier rang, un pas en avant. À gauche, gauche.
En avant, marche! Soldats, vous vous êtes conduits comme des brigands. Vous avez déserté. Vous avez tiré sur votre officier. J'aurais dû vous faire sabrer tous. J'en épargne la moitié. Peloton, en joue. J'en avais vu de cruels sur les champs de bataille et dans le sac des villes conquises. Mais je n'ai jamais oublié les fusillés de Goldinovo. Le lendemain, les détrousseurs de cadavres les avaient complètement dépouillés. Coignard a ses 650 survivants à Vitebsk et les remis au général. Après une marche forcée, le 17 août 1812, la grande armée arriva sous les murs de Smolensk. Ah, c'est vous, lieutenant Coignard. Tombez bien. Êtes-vous fatigué? Est-ce drôle? Et ma foi, oui, monsieur le maréchal. C'est la première fois qu'on me pose cette question depuis 13 ans. Pour le général commandant la place de Vitebsk, par ordre de l'empereur. Voici un billet signé de sa main qui enjoint à tous, quel que soit l'ordre et le rang, de vous prêter main forte. Il est 3 heures. Soyez de retour demain. Partez. Où allez-vous, lieutenant? Vitebsk. C'est pas loin. 40 lieues. Ça se fait sur un pied. Allez, mon pauvre vieux. Je vais te crever. Viens! Lorsque je repartis pour Vitebsk, reprenant mes traces, je me sentis affreusement abandonné. C'était la première fois depuis des années que je galopais seul, loin du bruit de la guerre. J'étais un étranger sur cette terre. Je l'étais depuis des mois. Mais c'est seulement à cet instant que je m'en rendis compte.
messager de l'empereur, mon général. C'est bon, lieutenant. Je te donne la réponse tout de suite. Il dort, mon général. Allez l'étendre dans la grange. Laissez-le dormir une heure et remettez-le en selle. Passez, mon lieutenant, mais soyez sur l'œil. La forêt n'est pas sûre. Казаки. Lieutenant Coignet, retour de Vitebsk. Je croyais pris.
Les Cosaques occupent la forêt. Comment es-tu passé? Avec de l'or, monsieur le maréchal. Pour un Napoléon, un moujik m'a guidé. Tes chevaux? Crevés. C'est bon. Je te ferai un billet de 2000 francs pour tes chevaux et ton moujik. Couchez le lieutenant Coignet. Enlevez-lui ses bottes et prenez soin de son cheval. Le 4 septembre 1812, entre Borodino et Mojaïk, les collines bordant la Moscova cachaient encore les armées en marche. Lorsque j'y parvins, je vis seulement le brouillard des marais mêlé aux âcres fumées de la poudre. Pourtant, je parcourus 10 fois le champ de bataille, portant les ordres de l'empereur. Et je charge la deuxième redoute, botte à botte avec Colincourt. Le soir du 7 septembre 1812, lorsque la nuit se fut établie, l'armée russe battit en retraite vers Moscou en laissant 50 000 morts sur le terrain. Les Français avaient perdu 35 000 hommes. Ce fut une victoire indécise. 20 grammes, c'était des roses. Oui, des roses. On est à 8 jours de nos clochers. Moscou, c'est loin. 1000 lieues, peut-être. Peut-être plus, va savoir. Qu'est-ce que tu fous là, lieutenant Coignet? Je sais pas. J'étais perdu. J'ai vu ce feu. Et vous? Nous, on s'est assis là où on était quand ça s'est terminé. Qu'est-ce que t'as fait de la corne de ton chapeau? J'étais sur la deuxième redoute. Ça va être la même volée de mitraille qui a tué Colincourt à côté de moi. C'est le feu qui les attire. Les blessés de la Moscova. Ah! J'ai mal. Allez. Viens, mon lieutenant. Mes camarades n'en ont plus besoin. C'est ton grade, regarde si c'est ta pointure. Lorsque j'entrais dans Moscou avec le petit état-major, le feu menaçait déjà les beaux quartiers. On disait que la police avait libéré tous les galériens. Ils se distribuaient les rues, et sortant d'une maison, ils mettaient le feu dans l'autre. Il y avait des pompes à Moscou, mais elles avaient été emportées. Thank you.
C'est pas humain. On n'a pas le droit d'infliger tant de misère à des chrétiens. Et toi, Golay, garde ton souffle. On va tous crever bientôt dans ce putain de marécage. On aura bientôt de la boue, plein la bouche. Du nerf, la franchise. Je suis le plus petit. J'en mangerai le premier, hein. Jean ! Non, pas toi, mon vieux. Pas toi, mon pays. Si tu tombes, je tombe aussi. Camarade.